Salut, c'est Bawi. Voilà, troisième vidéo. Aujourd'hui, on a atteint les ouvriers, donc. Et maintenant, on va tout simplement voir comment on doit développer la suite. Alors, moi, je pars sur le principe qu'on va aller ressource par ressource. Et de toute façon, c'est ce qu'on a besoin. On va devoir rapidement débloquer la briqueterie. Et on va un petit peu attendre pour la saucisse parce que ce n'est pas forcément urgent. Alors, on va de toute façon déjà commencer par s'étendre. N'oubliez pas d'activer le mode pipette. D'accord? Et on va doubler donc la taille de notre campement. Voilà, ici pour le moment, lui, il va gêner, mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc là, ça, on continue donc ce qui va devenir le chemin de fer plus tard pour pouvoir partir des deux côtés et ne pas être dérangé, devoir changer toute la ville. Alors, la briqueterie. Là, on va vite constater qu'on va manquer rapidement de main-d'œuvre. Parce que comment fonctionne la briqueterie? Bien, d'abord, il faut un puits d'argile, d'accord? Et il faut deux briqueteries ici. Une et deux. Alors pourquoi deux? 30 secondes, 1 minute. Ok? Donc, un pour deux. Alors, là aussi, on va constater 25 de main-d'œuvre. On en a deux, ça fait 50. Et là, 50 de main-d'œuvre. Donc, 25, 25 et 50, ça fait 100. On n'en a pas 100, hein. On n'en a que 80. Donc on sait déjà qu'on n'aura pas assez d'ouvriers. Donc on va mettre ça comme ça ici. Et on va déjà prévoir de prendre la mine pour le futur. Et voilà. Pour le moment, ça ne gêne pas parce qu'on n'a pas le chemin de fer. Donc ne prenez pas trop la tête avec ça. En plus, si vous jouez en mode facile comme on fait ici, vous pourrez facilement déplacer les bâtiments sans devoir tout ramener. D'accord? Donc ici, on a ce qu'il faut pour lancer la briqueterie, mais on n'a pas assez de main-d'œuvre. Donc on va essayer de doubler cette main-d'œuvre en faisant ceci. Voilà. Maintenant, on a assez de main-d'œuvre et on va pouvoir donc lancer la briqueterie. Une fois que la briqueterie est lancée, on va se concentrer ici, au petit comptoir. Parce que le comptoir, comme j'avais expliqué, les autres, c'est pas forcément rentable, 2500 au début de partie sur chaque... Donc, ça peut coûter trop cher. Par contre, lui, il faut l'évoluer. Parce que lui, il va nous donner 75 de stockage supplémentaire dès que il aura évolué. Donc, lui, il est rentable. Il faut doubler au moins son stockage. Déjà, on va mettre ça dans le bon sens parce que c'est pas logique. Voilà. Donc, ça va commencer à produire logiquement. Hein, quand il y aura une route cohérente mise. Et là aussi, on va y mettre un pompier. OK? Pendant que ceci se prépare, on va garder le mode de pipette. Et le mode architecte, on va voir un peu comment on va se passer la suite. Eh bien, la suite, on va mettre deux marchés l'un à côté de l'autre qui vont nous permettre de faire ce tracé. Ok? Voilà. On va voir tout de suite après à quoi ça sert. Ensuite, on fait comme ça. On prend la pipette et on recopie ceci. D'accord? Et on vient l'ajouter juste à cet endroit-là. Donc là, on vient simplement de copier la même zone. Mais on va finir le travail. Pour finir le travail, pour avoir un exemple de copie, il faut au moins ce qu'on appelle déjà un exemple correct et terminé. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Hop. Hop. D'accord? On va prendre les maisons. Pendant ce temps-là, j'espère que la brique va monter, hein, qui s'endort pas. On va se mettre en accéléré, que ça aille plus vite. Voilà. Et on va faire la même chose sur l'autre groupe ici, c'est-à-dire enlever cette maison-là et celle-ci, et faire ceci. Voilà. On enlève les deux morceaux de route là, et voilà. Alors, à quoi ça va me servir? Déjà, à mettre plus de maisons, ok? Au fur et à mesure dans le développement, on va mettre plus de maisons. Et surtout, à préparer ce que moi j'appelle des zones plus prédéfini, d'accord? Je sais pas pourquoi il ne veut pas, mais bon, c'est fait. Et ici, on mettra donc les bâtiments nécessaires et les usines non polluantes fur et à mesure dans les infrastructures. Mais là, on a donc un exemplaire complet de ce qu'on va faire. Donc maintenant, pour éviter tout problème, on va recasser toutes les routes ici. On va juste garder la route extérieure là. On va faire ça. On va faire un copier. On va venir se coller juste à l'autre. Et on va pouvoir reproduire exactement ce qu'on vient de faire. Voilà. Là, maintenant, on comprend mieux où on va dans la ville. Ce sera les différentes zones à évoluer. Et là encore,
Donc, passage du train, ligne de chemin de fer par ici, ligne de chemin de fer là, encore le passage du train. Donc, le train va être fluide comme ça tout le long. Et on va se rapprocher aussi de ces deux zones-là, parce qu'on va avoir besoin de ces deux-là, croyez-moi, on va en avoir vite besoin aussi. Bon, ben la brique avance, et je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Déjà, dans un premier temps, ici, on va constater que par rapport à là, il y a une petite erreur, hein, on est bien d'accord. Hein, voilà. Déjà là, c'est plus logique. Ensuite, ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Celui-ci, on l'enlève. Celui-là, on l'enlève. On prend les pompiers et hop. Voilà, les deux casernes de pompiers. Quand on clique sur les casernes de pompiers, on voit le rayon vert de ce que couvre la caserne de pompiers construite. Le rayon bleu, c'est la caserne de pompiers qui ne sont pas construites. Une fois qu'elles seront construites, passeront en rayon vert. Là, on voit que même avec cette caserne de pompiers-là, ici, on n'éteindra jamais l'incendie. Donc, on va venir en poser une ici, tout du moins provisoirement, le temps qu'on voit vraiment l'agencement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des chemins de terre, d'accord? On n'est pas encore sur des chemins de briques, donc la portée est moins importante. Pour tout ce qui est bâtiment public, la portée est beaucoup moins importante, d'accord? Là, on aurait en pierre, et eh bien toute la zone serait entièrement couverte pour les pompiers. Donc je rappelle, la zone bleue, c'est les bâtiments construits, donc c'est actif. La zone verte, c'est les bâtiments actifs, pardon. Et les bâtiments bleus, et la zone bleue, c'est pour les bâtiments qui vont être construits, là c'est la zone qu'ils vont couvrir. Voilà. Vert, c'est déjà construit, c'est la zone qui protège. Et bleu, c'est la zone qui vont protéger une fois que les bâtiments seront construits. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment ça allait se développer, on a mis un peu de briques de côté et de bois, on va pouvoir donc évoluer ici le dock et on va gagner 150 de stockage à la place de 75. On va bien contrôler les alertes qui nous disent que des bâtiments ont été détruits pour les réparer très vite. Voilà. Donc là maintenant on voit déjà plus clair dans ce qu'on veut faire. Et où on va et comment on va se déployer, d'accord? Du coup, ben on va quand même construire cette fameuse caserne de pompiers ici. Là, on va déjà mettre le marché en route et là, le pub, des bâtiments qui nous seront sont nécessaires très vite. Bon, ben, l'argent est toujours en négatif, hein, on est bien d'accord? Ça ne change pas. Là, il serait très vite en positif si on mettrait déjà ces deux éléments-là. Mais on ne va pas faire ça pour le moment. Là, on va continuer à développer nos chers amis les ouvriers pour gagner ce qu'on veut. Donc, maintenant, on va doubler la zone pour augmenter l'argent et aussi la main-d'œuvre. D'accord? Donc, on va mettre ça en accéléré. Voilà. Donc là maintenant, bah, il nous donne encore des missions, non, mais on n'a pas forcément besoin d'argent, donc on va pas faire ça maintenant. Mais là donc on a quand même déjà une meilleure approche. L'argent monte bien. On va devoir juste s'arranger de ne pas tomber à court de ressources. Donc on va mettre une troisième pêcherie. Ok. Venir se mettre ici. On va débloquer un troisième bâtiment ici. Hop. Non, c'est le quatrième champ. Là, c'est le même principe. Voilà. De façon à ne pas tomber à court de ressources. Voilà. Là, on a une bonne moyenne d'avancement. Ensuite, on sait que maintenant, ici, il n'est pas très content. On va profiter de nos briques, hein, puisque c'est quand même le sujet du jour. Et on va voir que ben, lui n'a pas accès au marché. Et bien maintenant, si on fait ça, comme ça. Il va avoir accès à son marché. Voilà. Donc il y est. Maintenant, on peut prendre tout ça et développer ça en tant qu'ouvrier. Ce qui va évidemment continuer à monter l'argent et qui va continuer à vous débloquer les nouveaux bâtiments. Parce que l'objectif de cette manœuvre, c'est de débloquer pour arriver rapidement aux poutres. Pour le moment, la saucisse qu'on débloque directement d'entrée de jeu n'est pas notre intérêt puisqu'on voulait justement débloquer cette partie d'ici du jeu. Ça concerne uniquement ceux qui ont le DSC Révolution Agricole parce que ça va vous permettre de construire des greniers ou éventuellement des tracteurs plus tard dans vos champs.
On va prendre la quête, mais on ne va pas le faire pour éviter de mélanger entre les gens qui ont les DLC et pas, mais ceux qui n'ont pas les DLC, ben voilà, ça c'est la révolte agricole. On vous demande de mettre des silos, etc. Pour avoir une meilleure augmentation de production dedans en leur procurant du blé dans les silos. Voilà, donc c'est une des quêtes que vous allez recevoir dès que vous débloquez à ce niveau-ci du jeu. Donc voilà, maintenant nous, on a développé suffisamment d'ouvriers d'avance, donc on en a 300, pour bien progresser. Mais moi, j'ai pas peur de perdre de la brique pour être sûr que tout le monde circule correctement. Et ce qu'on va faire, on va aller ici chercher une deuxième zone pour avoir plus de briques rapidement dans le jeu. Vous allez voir que c'est essentiel et on va en avoir besoin de vraiment beaucoup et tout le temps. Donc autant le faire tout de suite parce que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous ruiner si c'est déjà prévu dans votre comptabilité. Voilà. Maintenant, on a doublé la cadence au niveau des briques aussi. On pourrait la tripler tout de suite, mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, moi je prends mon temps et j'étends tout de suite les routes pour que ce soit déjà le plus fluide possible. C'est pas obligatoire, mais moi je le fais. Et vous voyez que ça marche très bien, hein, 580. Ah oui, Blib va venir nous embêter juste ici, ça c'est ennuyant. Alors le journal, ben, ça tombe bien, le journal juste avant la fin. Voilà comment fonctionne un peu la briqueterie. Il faut vraiment là en profiter tout de suite, le plus vite possible, la mettre en œuvre parce que vous allez en avoir besoin de beaucoup sur les bâtiments suivants, hein. On voit que ici on a besoin de briques, hein, d'accord. Là pour le savon, on va avoir besoin de briques et de poutres. Là de briques. Donc toutes les structures qui vont suivre, majoritairement, vont avoir besoin de briques. Donc il faut pratiquement produire la brique comme on a produit le bois en début de partie, parce que vous allez en avoir besoin de beaucoup. Donc le mettre en place très vite, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Je vous dis, moi personnellement, je continue dans la manœuvre. Je vois que j'ai encore 200 de main-d'œuvre. C'est vraiment débloquer la brique le plus rapidement possible pour éviter de tomber à court en permanence. Donc je préfère le prévoir tout de suite dans ma main-d'œuvre et dans mon coût d'entretien que devoir essayer de jongler après avec. Ça peut toujours devenir plus pénible. Voilà. Donc là, on les a tous. On en a 3. 1, 2 et 3. Ils tournent. On a encore de la main-d'œuvre. On a perdu un peu d'argent. Mais au moins, la briqueterie va tourner correctement en fonction du bois. Et on va rapidement en stocker. Et là, on est opérationnel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, faites comme d'habitude. Laissez-moi un petit message. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça fait avancer la chaîne. Sinon, ben, vous pouvez aussi venir me voir sur Twitch, hein, tous les soirs, sauf le dimanche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!